Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de mon petit chalet pour aujourd'hui une vidéo très spéciale puisqu'il s'agit de la vidéo des 2 ans de la chaîne, les amis. Oui, aujourd'hui c'est officiel, nous avons atteint les 2 ans, bon pas aujourd'hui précisément puisque cette vidéo je la tourne le 15, mais le 13 mars 2021 nous avons atteint les 2 ans de la chaîne YouTube. Et donc je tiens déjà à vous partager un petit peu les émotions que je ressens, à vous parler de l'avenir de la chaîne, à vous parler par exemple de l'évolution de Ark, l'évolution peut-être de Minecraft et de l'arrivée de nouveaux jeux, et puis des objectifs qui vont venir sur ma chaîne durant mon parcours, durant mon évolution, tout ça. On va faire une petite review ensemble et on va en discuter dans la joie et dans la bonne humeur. Tout d'abord, avant de commencer par les objectifs ou quoi que ce soit déjà, je tiens à vous remercier, je remercie toutes les personnes qui ont participé à mon évolution depuis que j'ai commencé. C'était le 13 mars 2019, je ne me trompe pas, j'en suis sûr, c'était le 13 mars 2019, j'ai même vérifié d'ailleurs, hein. Mais c'est une date qui va rester gravée dans ma mémoire, c'est le jour où j'ai officiellement commencé mon aventure sur YouTube en postant ma première vidéo, du style, je crois, je me lance sur YouTube, quelque chose comme ça. C'était juste un jour incroyable pour moi, c'était un rêve qui se réalisait, et aujourd'hui c'est toujours un rêve de pouvoir continuer à vous produire du contenu, à savoir que des gens vont regarder ce que je fais, à savoir que des gens vont me suivre dans mes aventures, sur différents jeux, sur différents types de live, de let's play, de tout ce que tu veux, et vraiment, je tiens à vous remercier. Donc, je vais vous remercier distinctement, je remercie déjà toutes les personnes qui sont présents depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 3 mois, depuis 3 jours, peu importe, depuis combien de temps vous êtes là déjà, merci beaucoup de participer à mon évolution, merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui ont participé, genre sur les commentaires, en live, au niveau des dons aussi, merci beaucoup à toutes les personnes qui financièrement ont soutenu mes projets, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur la plateforme YouTube où vous pouvez me faire des dons, bref, merci beaucoup à toutes ces personnes-là, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris un sub, les personnes qui ont partagé, les personnes qui ont liké, les personnes qui ont commenté, les personnes qui ont, en bref, été présentes pour m'aider à continuer dans mes aventures et qui m'ont soutenu tout du long, vraiment, merci beaucoup à vous, et comme je le dis tout le temps, sans vous, je ne serais rien. Merci beaucoup en tout cas, je ne le dirai jamais assez, et on y reviendra, on refera des remerciements. Merci pour tout, merci d'être présent, vous me permettez de continuer à rêver, de continuer à produire du contenu, de continuer à rester dans cette bulle de plaisir et de production, même si c'est pas facile, c'est plus simple grâce à vous en tout cas. C'est plus simple de me dire que j'ai des gens qui me soutiennent, que vous soyez fan ou juste des petits viewers, ou que vous disiez j'ai envie de soutenir ce gars là je l'aime beaucoup. Merci, juste merci d'être présent durant mon parcours, durant mon aventure. Je peux pas vous remercier autrement que en faisant une petite vidéo en votre honneur. Donc si tu regardes cette vidéo chez toi, sache que je te remercie de la regarder, d'être là, d'avoir participé, de continuer à participer. Tu es génial tout simplement, et je te souhaite le meilleur. Vous êtes les gens qui me poussent à faire le mieux, et je n'aurai jamais assez de mots pour décrire comme je suis reconnaissant envers vous d'être présent devant mon travail, devant mes productions, et vous me permettez entre guillemets de valider ce que je produis, c'est-à-dire que je produis pour vous, et derrière si ça vous plaît, j'ai vos retours, et c'est le plus important. Je tiens aussi à dire que je lis tous vos commentaires, il y en a peut-être quelques-uns que j'ai loupés, mais je fais tout ce que je peux pour tous les lire, en tout cas je peux encore le faire sur YouTube, je peux répondre à vos messages aussi, donc sache que si tu écris un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça sera lu, je le lirai, j'y répondrai, je suis pas encore Godzilla sur YouTube, un jour peut-être, je peux encore, je veux dire, du moins lire tous vos commentaires, donc vraiment je les apprécie, merci de me communiquer une information, si ça va bien, si t'as mangé des pâtes ce matin, voilà, voilà quoi. Et merci beaucoup du coup de m'encourager dans tous mes projets, d'être présent et de me dire que tu aimes mon contenu ou de me faire des remarques, tout ce que tu fais est tout simplement génial, merci à toi, merci à vous. C'était un petit peu la parenthèse remerciement, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on en refera plein d'autres, et si vous voulez me voir en live sur Twitch, je ferai plein de remerciements. J'ai déjà commencé à donner quelques Jesperites, la monnaie de la chaîne, mais il y aura peut-être des concours qui viendront dans le futur, il y a des choses que j'ai envie de vous offrir ou que je pourrais peut-être offrir, et puis qui sait, peut-être qu'un jour on se verra, que je te serrerai la main, que je te ferai un câlin si tu le désires, que je te dirai t'es le best, tu vois, donc on verra, les remerciements ne s'arrêtent pas là en tout cas, mais pour cette vidéo aussi, puisque j'ai plein d'autres petites choses à vous faire parvenir avant que la vidéo s'arrête, et je tiens à que ce soit une vidéo pas trop longue. Donc déjà, premièrement, les choses à venir sur la chaîne.
Premièrement, le Let's Play Arc continue, il est génial, il est fantastique, je sais que vous kiffez, je sais que vous êtes là principalement pour Arc. Et donc, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, je viens aujourd'hui de me faire une shortlist, et on peut pas vraiment dire qu'elle soit short parce qu'elle est comme ça quoi, de ce que je dois faire durant mon aventure. Il y a juste 10% de ce que je dois faire vraiment, il y a tellement de timing incroyable, il y a tellement de choses géniales que je vais devoir faire, de la production, des fermes, des grottes, de l'exploration, les nodes explorateurs à trouver, certaines espèces que j'ai envie de découvrir, des voyages au fond de la mer, des voyages dans le cercle polaire, des trucs de dingue, il y a tellement de choses encore merveilleuses que je vais devoir faire, et tout ça, ça sera bientôt sur la chaîne, comme d'habitude, une vidéo Arc sera peut-être en production même ce soir, pour vos beaux yeux, donc merci beaucoup en tout cas d'être très présent pour Arc. Si tu as l'habitude de regarder Arc, je te conseille, si tu veux me soutenir, vraiment le mieux à faire, c'est d'aller regarder un petit peu le reste, parce que Arc, c'est comme ça, le reste, c'est comme ça. Vraiment, hein, c'est unanime, ce qui plaît le plus sur la chaîne, c'est Arc, j'ai réussi à vous captiver avec Arc, et si vous voulez me soutenir encore plus, je vous invite à regarder un petit peu le reste. Voilà, donc Arc, ça ne bouge pas. Ensuite, on vient de finir l'aventure sur Green Hell, donc je pense qu'il devrait y avoir une nouvelle aventure Minecraft qui va arriver sur la chaîne. Je vous invite dans les commentaires dès maintenant, si vous êtes fan de Minecraft, à me mettre ce que vous voulez voir. Des maps, des mods, des trucs en particulier. Je serais un peu plus chaud de jouer à des aventures peut-être en survie, solo. J'aime pas le multijoueur sur Minecraft, je trouve ça me saoule un petit peu. Donc je vous invite à me dire ce que vous voulez voir en solo peut-être sur Minecraft, ou je sais pas, une aventure, une map, quelque chose qui se fait rapidement, quelque chose qui se fait avec la longueur. Ce que vous voulez, proposez-moi des idées d'aventure Minecraft, je suis preneur, j'étudierai tout et on verra ce qui me plaît, et peut-être que votre idée sera sélectionnée et que ce sera la prochaine aventure Minecraft sur la chaîne. Finalement les amis, il va y avoir quelque chose de crucial qui va arriver sur la chaîne, parce qu'en ce moment je trouve que ça manque un petit peu de diversité. J'aimerais bien rajouter un nouveau jeu sur la chaîne, je me pose de grandes questions, je vais vous l'annoncer maintenant, je me demande si je devrais pas ajouter No Man's Sky. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est un jeu qui a l'air tout bonnement incroyable. Il est sorti il y a très longtemps, mais à l'époque, il n'y avait pas assez de développement, il n'y avait pas assez de choses à faire dessus, mais ça a grandement changé avec les mises à jour, et donc ce jeu, c'est un jeu bac à sable, donc tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu es un petit humain, ou une petite espèce, quoi, bref, qui apparaît sur une planète. C'est un jeu qui est très beau, je vais mettre des images à l'écran, qui a des graphismes assez impressionnants, et qui est dans un univers tout particulier, puisqu'on se retrouve dans une galaxie où il y a des planètes à l'infini, et tu peux toutes les visiter, essayer de construire une base dessus, découvrir les nouvelles espèces, te faire de l'équipement, te faire un vaisseau. Il y a des voyages intergalactiques, il y a des choses absolument incroyables sur ce jeu, vraiment, et je pense que ça pourrait être très intéressant. Et puis ça a un petit lien avec Arc, même si bon, il n'y a pas de dinosaures, il y a des espèces à découvrir les amis, il y a des espèces à combattre, il y a des endroits à explorer, il y a du farm, etc. Ça serait une immense aventure qui pourrait commencer peut-être sur ma chaîne comme Arc, mais c'est très différent toutefois. En continuant Arc bien sûr. Donc je sais pas si vous êtes chaud, dites-moi si jamais c'est le cas. Donc voilà, je vous ai passé des images à l'écran, vous avez vu un petit peu de quoi il s'agit, je vous ai mis des petits extraits, tout ça. Maintenant je vous demande dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou non, si vous pensez que ça peut être une bonne idée ou non. Et bien sûr, ça n'enlèvera pas le reste, les vidéos Arc restent, les vidéos Minecraft restent. Voilà, finalement les amis, pour terminer cette vidéo qui sera très courte, du coup ça fait à peu près 10 minutes que je tourne, même peut-être un peu moins, ce que je veux vous dire les amis, c'est les objectifs qui vont être présents du coup pour les 6 mois à venir. Déjà premièrement, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne Twitch, c'est très important, je suis en live toutes les semaines dessus en ce moment, c'est le mercredi, samedi, dimanche, il m'arrive même de faire des lives hors ces jours-là. Donc si vous ne me voyez pas faire de vidéos sur YouTube, sachez qu'en même temps je travaille sur Twitch pour faire évoluer ma communauté. On a récemment atteint les 1000 abonnés sur Twitch, enfin les 1000, oui c'est pas des VIP, c'est des abonnés, c'est déjà très très bien. On a atteint les 1000 abonnés, les 1000 followers, voilà c'est ça, c'était le mot exact. Les 1000 followers sur Twitch, et franchement c'est grâce à vous, bah intégralement comme d'habitude. Et merci beaucoup, on est un petit nombre en live, on est très peu en général, on tourne entre 10 et 15 personnes. Mais je compte bien que ça évolue, donc je vais faire des efforts. Il y aura probablement plus de live ou probablement une meilleure communication pour tenter de découvrir des personnes, etc. On pourrait peut-être même faire des raids, tout ça c'est à moi de voir ça. Mais en tout cas, si vous voulez me soutenir, je vous invite à me suivre dessus. J'ai pour objectif sur Twitch d'atteindre déjà premièrement les 50 viewers de manière constante. C'est-à-dire que je veux d'ici les 6 mois
qu'on soit 50 à chaque live. C'est un énorme objectif, ça va être très compliqué parce que je sais que ça demande des efforts et puis qu'on fait différents types de jeux, mais en tout cas, si vous aimez League of Legends et DBD déjà, c'est les jeux qui sont installés sur Twitch, vraiment. Et si vous aimez pas trop mais que vous m'aimez bien, moi au moins, parce que c'est sympa quand même, eh bien je vous invite à me rejoindre quand même et peut-être que vous découvrirez ces jeux et peut-être que ça va vous plaire, peut-être que vous direz tiens c'est sympa. En plus je joue avec mes viewers sur Twitch donc c'est l'occasion de jouer avec moi et ça me ferait très plaisir que vous me rejoigniez dans cette aventure. Et finalement le dernier objectif sur Twitch ça serait qu'on arrive à atteindre les 100 VIP. Donc les VIP c'est payant, des fois c'est des cadeaux, des fois c'est des gens qui ne les payent pas parce qu'ils ont un sub grâce à Prime, au Prime Gaming d'Amazon, je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous voulez me subventionner gratuitement on va dire. Et ça serait un deuxième objectif, voilà, 100 VIP parce qu'on n'a jamais été, on n'a jamais réussi à atteindre ça quoi, c'est incroyable. Déjà actuellement on est à 32, je remercie énormément les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui ont fait des cadeaux, se reconnaîtront ces personnes-là, parce que grâce à vous on a réussi à atteindre les 32 VIP. Pour moi c'est quelque chose d'énorme, pour d'autres c'est de la merde, mais pour moi c'est quelque chose d'énorme en tout cas, vraiment. Merci beaucoup, chacun des dons, chacune des participations, chacune des vues, chacune des personnes présentes, tout ça est important pour mon évolution et pour mon bien-être aussi, parce que bon, dans mon habitat naturel, j'aime bien me développer avec une petite chaîne Twitch qui évolue, ou une petite chaîne YouTube qui évolue, voilà, je trouve ça très important pour mon bien-être moral, parce que si ça flop, bah, c'est un petit peu triste et ça fout le seum de travailler pour rien. Donc voilà, voilà les objectifs, ça serait énorme qu'on atteigne les 50 abonnés constants en live sur Twitch, et les 100 VIP grâce à ça les amis, dans le futur je pourrais demander peut-être un partenariat avec League of Legends, oui c'est du n'importe quoi, pour éventuellement avoir des skins gratuits, des personnages gratuits et vous offrir des cadeaux ma gueule, parce qu'on pourrait partir sur des giveaways si on est assez nombreux, je pourrais avec l'argent que tu reçois faire des giveaways, ou même si je devenais partenaire League of Legends, pas du tout pour maintenant, peut-être un jour, je sais même pas. Eh bien, ces gens-là, en tout cas, qui font partie de l'élite du gaming sur League of Legends et sur Twitch, peuvent offrir des cadeaux à leurs abonnés, donc c'est juste absolument incroyable. Ça serait vraiment un énorme plaisir pour moi de faire des giveaways sur ce jeu, et si on était un petit nombre, une petite communauté, voilà, tout ça, tout ça. Donc voilà ce que je voudrais d'ici les 6 mois, si j'arrive à me concentrer assez. Et bien sûr, l'évolution de la chaîne YouTube est très importante. Mais ça je m'inquiète un petit peu moins parce qu'on évolue beaucoup mieux que sur Twitch et puis c'est pas les mêmes résultats puisque c'est pas la même chose les vidéos, tu sais, ça prend du temps avec les vues, tout ça, tout ça. Bref, voilà les objectifs, la chaîne continue d'évoluer grâce à vous, merci beaucoup d'être présent encore une fois, merci beaucoup que vous soyez sur Twitch, sur Instagram, sur YouTube, sur Discord, sur TikTok, à m'aider à continuer d'avancer, tout simplement. Si vous voulez des nouvelles vidéos sur Ark, ça arrive, si vous voulez des nouvelles vidéos sur Minecraft, je vous demande de mettre un commentaire pour me dire ce que vous voulez voir, et si vous voulez voir ce que ça va donner No Man's Sky, pareil, commentez en bas de cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné à Twitch, c'est le moment de le faire. J'espère que cette vidéo aura assez de vues peut-être pour pouvoir toucher un petit peu ma communauté parce que j'ai un petit peu de mal. Sur certaines, je fais 300 vues, sur d'autres, j'en fais 1600, tu vois, et des fois, même 10 000. des fois, ça perce pas du tout. Donc j'espère qu'il y aura un petit nombre quand même d'abonnés qui verront cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo, bah, même dites-le, hein, j'ai vu, voilà. Je vous ferai peut-être un bisou dans les commentaires. Et je vous remercie encore une fois. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout pour ces petites annonces. Vous êtes un abonné de qualité derrière vos écrans. Voilà. Un énorme bisou à vous. C'était Jesper en direct de mon petit chalet et je m'apprête à tourner une vidéo sur Ark. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Salut tout le monde, bon anniversaire à la chaîne aux 2 ans. Gros bisous.